Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et nous voilà sur la Nintendo Wii une fois de plus, mais pour un jeu qui vient de sortir donc, hein, prêté aux nouveautés avec le très attendu Wii Sport Resort et bien sûr son petit accessoire, le Motion Plus. Vous voyez mon petit avatar, salut toi, et vous voyez un petit résumé de ce que j'ai fait. Donc, depuis lundi, j'ai pas joué. Allez, je l'ai eu lundi. Allez, c'est parti! On va jouer à une des 12 épreuves que voici, que voilà. Hein. Donc le sabre, le skateboard sur la flotte, le frisbee, enfin je pense que vous connaissez un petit peu tous. Hein. Alors j'ai joué très légèrement au bowling et visiblement ça n'a pas trop évolué. Donc ça c'est une petite déception. Le golf lui par contre c'est amélioré, on a de nouveaux endroits pour jouer. Le tennis c'est très sympa. On va se faire une petite épreuve de sabre. Allez hop c'est parti, un mode duel. Car vous voyez, comme d'habitude, on peut débloquer plusieurs niveaux dans le jeu. Donc là, j'ai un peu m'éloigné. Il faut prendre, vous voyez, la manette comme si c'était un sabre. On va se le faire à la va-vite. Hein. Alors, sur chaque épreuve, il y a toujours un petit temps de... Bon, du moins, la première fois qu'on l'a fait, un petit temps où on doit un petit peu, comment dire, paramétrer la humotte, etc. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. Donc ça prouve qu'il y a du son là-dessus. On va se taper Megan. Alors c'est toujours le même principe. Hein. Plus on fait de partie, plus on gagne de points. Parfois on peut perdre quand on est vraiment très mauvais. Et le niveau bah, de nos adversaires augmente. Donc ça c'est bien foutu. Donc là le but c'est de paramétrer. Vous voyez, hop là, et c'est bon. Alors, bientôt j'aurai mon nouveau PC. Je vous ferai peut-être une deuxième vidéo un petit peu mieux où on verra ma tronche. Mais là... On va jouer en light parce que je suis en train de faire une nouvelle config à mon PC. En moi, ça me fait bien penser à l'OAV de Dragon Ball Z, les mercenaires de l'espace, où il y avait des petites scènes de combat, où il y avait justement des plateformes comme ça, et les adversaires pouvaient tomber dans l'eau. Je sais pas pourquoi, moi, ça me fait penser à ça. Donc, qu'est-ce qu'on pense du Wii Motion Plus? Alors, allez, on va vers le haut, vers le bas, on tourne. C'est très très précis, hein. Franchement c'est une grande réussite. Avec le bouton A, on peut être en haut. Et le bouton B, on peut faire la garde pour bloquer les coups. Donc ça c'est bien pensé. Hein. Comme toujours, c'est une maniabilité très simple, très basique, mais très efficace. Donc vous voyez que je bloque le coup de l'adversaire, et puis ça le met en position de déséquilibre. Moi aussi je suis en déséquilibre. Hop, alors on en a fini. Alors c'est clair que ce sera pas le jeu de l'année, au moins pas pour moi. Mais c'est quand même un jeu très sympa. Et une façon très agréable de s'acheter le Motion Plus hein, en le payant que moitié prix. Vu qu'il fait partie du. En bundle, voilà, c'est ça qu'on appelle un bundle. Allez, on va se dépêcher de faire la troisième partie. Et on rejoue. Allez, hop, hop, hop. Donc là, on est contre Gabriel, il est plus fort. Toujours la petite période pour calibrer. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de souci. On peut pas dire que c'est l'ordinateur qui triche, vu que c'est calibré. On t'attaque. Allez, dans la tête. Oula, le son crépite. Il tourne la carte d'acquisition et ça remarche. Ça fait un petit peu Star Wars les bâtons de couleur bleu et rouge là quand même. Bon, c'est clair que les adversaires n'ont pas la prestance de notre ami Darky, hein. Oula, allez dégage. Oh, ça commence nouveau à craquer. Et voilà. Encore un petit peu de progrès. Et on va pas perdre trop de temps sur cette épreuve. Non, non, ah, mais j'aurais pu enlever. Pourquoi j'ai mis rejouer? Qu'est-ce que je fais?
Donc on va se faire un petit peu de wakeboard. Qu'est-ce que c'est que le wakeboard? Bon, on va voir qu'est-ce que c'est ensemble. Ça fait une petite partie, un joueur. Voilà, un avatar. Bon, bien sûr débutant, hein, parce que j'ai même pas joué à celui-là. Non, on veut pas faire de pause. Ah si, j'ai quand même fait une partie. Ok. Ah, je m'étais... Mais t'es bien débrouillé. Vous voyez qu'on peut faire des figures. Attendez. Arrêtez le tour. Qu'est-ce que c'est, cette merde? C'est une démo, quoi. Voilà. Et... Oh, oh, fantastique. Ah, franchement, tout ce qui est univers, hein, c'est très mignon, une jolie petite île. En plus, au tout début du jeu, quand j'ai vu la première fois, on peut faire une chute d'avion. Ça, c'est très impressionnant. Enfin, on peut faire des scores. Hein. C'est très basique, mais c'est amusant. Après, on peut faire quelques figures. Et la manette, bah, ça réagit hyper bien. Franchement, très, très satisfait du Motion Plus. Hein. Même si je le dis toujours, hein. Moi, je ne trouve pas que c'était si important que ça. La manette un peu aléatoire. Elle est tout à fait. Hein. C'est très bien. Et c'est très joli, là, le petit univers, hein, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup l'eau. C'est vrai que l'eau est très bien foutue sur les jeux de la Wii. Donc, en gros, c'est ça. Hein. Sinon, on va changer de jeu. Hein. Vous voyez qu'on peut à tout moment réinitialiser le Motion Plus si jamais on soupçonne qu'il y ait un petit peu aléatoire la maniabilité. On va faire un petit peu de frisbee. Donc, le frisbee, ça c'est connu. La frisbee golf, ça c'est un petit peu plus fin. C'est le même principe, mais il faut aller sur une cible. Un joueur. Et c'est bon, on commence. Vous voyez que je me suis quand même fait pas mal de points. Hein. On a plusieurs lancers. On appuie sur le B. On se met... Ah. Un petit peu trop tôt. Alors le frisbee, bah, c'est une épreuve qui est très très bien foutue. Bon là je le fais un petit peu à l'arrache parce que bon, je suis de côté pour devant le micro. Là j'ai pas de place pour jouer. Allez, on va faire encore un essai. Ah, c'est catastrophique, putain, j'ai fait des bons scores. Ouais, j'ai quand même eu des points. Donc vous voyez qu'il faut aller juste dans les zones, et puis si on est vers le milieu, meilleure et nette note. Hein, vous voyez, voilà, petite... Est-ce qu'on peut quitter le jeu? Non, on peut même pas, on doit faire tout. On va quitter, on s'en fout. Qu'est-ce que je voulais encore vous montrer comme épreuve? Il me reste encore 10 minutes. Le ping-pong, hein, tennis de table. Moi, je l'aime bien. Très sympa. Depuis la version... Bon, il y a eu le Rockstar ping-pong qui était pas mal. Dans 8 feet, c'était quand même un petit peu, on va dire, sympatoche, hein, le niveau de ping-pong. Même si c'est primaire. Là, par contre, ouais, moi, j'aime bien. C'est très bien foutu. Il va encore que je fasse une pause, décidément. C'est quoi, c'est Dorothée là, Gabi? Ils s'appellent tous Gabriel dans ce truc là. Allez hop, c'est parti. Petite séance de ping-pong. Regardez la jolie petite chemisette que j'ai. Et la manette, bah, elle répond vraiment à 100%. Quand on a envie de faire un revers ou un coup droit, bah, ça se fait. Hein. C'est vrai que dans la plupart des jeux, bah, c'était un petit peu aléatoire. Hein. Ça frappait quand on avait envie, mais pas forcément en revers. Alors que là, encore une fois de plus, bah, c'est du bon travail. Haha, pas mal. J'assure, ouais. J'assure pas autant sur le vrai ping-pong. Mais je me débrouille pas mal au collège. Évidemment, c'est une partie avec très peu de points. Je sais plus, je crois que c'est 6 points. Ah, faute. Donc j'ai eu le point. Eh ouais, c'est en 6 points. On va se faire la partie en entier alors. Et toujours, bah, le petit bruit dans la manette pour un petit peu de réalisme. Et toujours les petites décors, les petits décors qui sont très jolis, très doux. Bonne ambiance de vacances.
Allez, encore 2 points et on a fini. Et hop là, ouais, super coup. Non, non, c'est vraiment très précis. Ça fait plaisir. Les deux balles de match. Au moins, il y aura une épreuve où je suis sûr d'avoir réussi. Allez. Et c'est fini, faute. Gagné. Hop là, on se casse. Et on va essayer encore 2-3 petites épreuves. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Moto marine. C'était pas mal. Tennis, golf, bon, c'est classique. Baseball, basketball, j'ai pas essayé. Le tir à l'arc. C'est vrai que tir à l'arc, ça fait grande impression à l'E3. Et en fin de compte, ouais, c'est crédible. Donc, on va réinitialiser. Et voilà. Débutant, hein, on va pas se prendre de risques. Oh, vous faites chier avec vos pauses là. Hein. Attends, ça fait même pas 10 minutes que je joue, il veut que je fasse déjà 3 pauses. Allez. Alors vous allez voir qu'au début, c'est très facile. Hein. Encore une fois de plus, j'ai fait que 2-3 parties. Ça devient vite difficile quand la cible s'éloigne. Alors, on arme l'arc. Attends, c'est quoi à nouveau? Ah oui, c'est ça. Voilà. Il fallait utiliser le Z et vous voyez que ça centre. 9 points, bon, ça commence bien. On appuie sur A. Après, on appuie sur le Z. Et on centre. Ah non, franchement, très sympa. Très sympa le... Encore une épreuve que j'adore, ouais, j'adore vraiment. Alors vous voyez qu'on a toujours la petite notion avec le vent, même si ça joue pas des masses. Oh, 10 points. Parfait. Alors vous voyez qu'on a plusieurs sessions et là c'est à 10 mètres et puis après ce sera un peu plus loin, donc un 15 mètres. Et voilà, c'est de plus en plus loin, donc de plus en plus difficile. Et c'est vrai que la dernière, j'ai eu énormément de mal. Ah, vous voyez que c'est déjà un petit peu plus délicat. Ah, c'est excellent d'entendre le bruit. Oh, oh, oh putain, là c'est bon là. Là j'assure. Allez, encore un coup. On va encore tenter de faire un bon. Ah, 9. Hop, on va quitter et on va encore faire. On a encore 7 minutes, j'ai encore le temps de faire 2-3 épreuves. Le cyclisme, c'était pas mal. Le saut aérien, c'était un petit peu brouillon. C'est vrai que. On va faire moto marine. Slalom. Ça, c'est. Ouais, faut faire comme si on avait une vraie moto. Vous voyez le dessin? C'est pas évident. Parce qu'en fait, il faut des petits à-coups. Et ça, par contre, c'est un petit peu du foutage de gueule. Parce que moi, j'aime pas des à-coups quand je suis en mobilette. Alors vous voyez qu'on a toujours plusieurs stages. On va se faire le premier. Hein. De toute façon, je vous laisserai découvrir par vous-même le décor et tout ça. Hein. Ça fait partie du plaisir du jeu. Ouais, j'ai déjà fait un bon score. Alors ça, c'est pas évident. Je fais. Du moins, c'est que la deuxième partie que je fais. Hein. On va essayer. En même temps, faut appuyer sur A, je crois, pour donner des coups. Ah, c'est quelques... ah, ouais, avec... En fait, il faut bouger la Umote et le Munchuk, les deux ensemble. Et en fait, on peut jouer. Avec un seulement, vous voyez, c'est un petit peu bizarre, mais bon. Et vous voyez qu'on donne un petit coup de... Ça nous permet d'accélérer, quitter l'entraînement. Je vais partir à la scène de gameplay. Donc là, c'est pas les scooters, c'est les vraies motos des mers. Hein. Là où on s'assoit pas dessus. Et vous voyez qu'on a un petit temps. Donc moi, je donne des petits coups. La jauge se recharge et on donne un petit coup, histoire d'avoir un genre de mini turbo... Pas très folichon. Et avec les anneaux, on a du x2. Ah bah ouais, du x2, c'est pas mal. C'est bon pour les high scorers. Hein. Je sais pas si ils disent ce mot, high scorer. Ceux qui aiment le high score, les vieux de la vieille comme moi. Hein. On a connu les vieux jeux, il fallait faire que du score. Ah, c'est bien, je me débrouille pas trop mal. Oula.
Wii Sport Resort, bah, une petite surprise, hein, agréable. Un jeu rafraîchissant, hein, pour l'été. Ouais, 50 euros, c'est quand même une petite somme. Mais c'est un jeu qui mérite quand même. Bah, de... ouais, ça mérite, vu qu'on a le Motion Plus en plus. Ouais. Allez. C'est vrai que 50 euros, c'est pas, c'est quand même une bonne somme, hein, c'est sûr, mais bon. C'est que des mini-jeux, hein, mais... ils sont bien foutus. Hein. Des mini-jeux de qualité, bonne ambiance, 12, c'est pas mal. Le golf qui a été remis à jour, avec de nouveaux, d'ailleurs, de nouveaux circuits. Donc ça aussi, c'est, on a les mêmes niveaux de le golf et le bowling, mais ça a été un petit peu mis à jour quand même. On va faire le cyclisme. Canoë kayak, j'ai pas fait, mais c'est dur. Ça me paraît bien dur. Je fais peut-être dans une autre vidéo, hein, là où je le ferai avec la cam et tout. Quand j'aurai peut-être récupéré mon PC, s'il le récupère avant la fin de la semaine. Alors le vélo, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on est souvent, comment dire, vous voyez qu'on a plusieurs chemins aussi. On est souvent tenté d'aller à fond et on s'explose les bras. Alors que là, dans ce jeu, en fait, quand on va trop vite, on s'essouffle. Donc ça nous oblige à ne pas aller trop vite et donc à ne pas nous esquinter les bras. Donc là on va faire une petite balade, hein, il nous reste encore quelques minutes. Donc secouer à l'ancienne Moonshook et Wiimote. Allez, on est 30. La dernière fois j'ai arrivé à faire 14e je crois. Vous voyez, genre de mini turbo. Alors vous allez voir que après il y aura une petite montée et là c'est pas évident. Hein. Il y a Vincenzo, je sais pas c'est qui ce gars-là, il fait penser à le pingouin là, de celui qui fait les jeux avec la... les fausses consoles là. Je sais plus comment il s'appelle. Donc là, il va falloir se reposer. Et quand, et de temps en temps, quand on est vraiment crevé, eh ben, il faut qu'il aille boire une petite bouteille d'eau. C'est amusant, ça ressemble pas mal au décor bah, des autres Wii Sports, hein, notamment le fameux Wii Fit. Mais voilà, c'est amusant. Une petite univers, une petite comment dire, une petite île dédiée au jeu. Hein, ça fait plaisir, ça fait vacances. Ouais. Et hop, on a du turbo, on va en profiter. Par contre, je reconnais pas mes mi à moi. Je sais pas, c'est dommage. J'aurais bien voulu courir avec Sarkozy, dépasser Hallyday, faire une petite queue de poisson Einstein. Ça sera putain de bien. Ah là là, eh ben moi je transpire, hein. Je suis encore plus rouge que le perso là que vous voyez. Décidément, le mime ressemble. Hein. Par contre, son froc devient rouge. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Ah, là, ça commence à monter. Oh, regardez le vent. Oh mon dieu, c'est... Oh, c'est de la folie. C'est la folie. Faut que je me remette droit. Non. Ah, on va utiliser du turbo. Ah putain, c'est pire que le Tour de France. Et oui, les jambes qui sont rouges, ah, j'ai mal pour lui. D'ailleurs, j'ai mal à l'épaule, moi. Lui, il a mal aux jambes, moi, j'ai mal à l'épaule. Allez, encore quelques petites foulées, et puis on arrête la vidéo. Hein, voilà. Donc voilà, c'était Jerry Storm pour Wii Sport Resort. On va arrêter, je suis 9e, mais bon, je vais certainement perdre des places. Donc, un petit jeu qui sort vendredi, hein, franchement, très agréable. Avec le Motion Plus en bundle, bah, pour 50 euros. Voilà, hein, c'est une façon sympa d'avoir de quoi s'amuser quelques heures avec le Motion Plus comme bundle. C'est sympa. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde!